Yeah, Kina Grannis. Daystorm. Yeah, I'm here, y'all. Yo, you know how I do. Kina about to kill him. Get him, girl. Allô les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une autre vidéo. Aujourd'hui, là, je m'excuse vraiment, là, comme on est en réno chez nous. Puis là, vous entendez mon père avec sa drill, genre. J'espère que ça vous dérange pas trop, là. Aujourd'hui, comme vidéo, j'ai décidé de vous montrer des décorations d'Halloween que j'ai achetées. Parce que tantôt, j'étais allée, pendant ma pause à l'école, j'étais allée au Dollarama, parce qu'il y en a un proche, là. Puis j'ai acheté une coupe d'affaires pour décorer ma chambre. Fait que en tout, ça m'a coûté 13$. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Puis là, je m'excuse pour les bruits de sac, là, si c'est genre dérangeant. Fait que là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Puis tantôt, je vais vous filmer. Quand je vais tout avoir placé dans ma chambre, là, je vous filmerai ça s'il fait pas trop noir. Parce que là, il commence déjà à faire noir, déjà que. Genre la qualité en ce moment. En tout cas, bref, je vais commencer. J'ai acheté un petit sapin de même. Parce que je le trouvais cute, là. Genre, un petit sapin, là, en synthétique, là. Il est trop cute. Donc, j'ai acheté ça. Ensuite, j'ai acheté des genres de napperons, là. Oups. Il est coincé dans l'affaire. Fuck! OK. Des genres de petits napperons de même. Mais il y en a genre 4, puis comme je vais mettre ça, parce que, mais là, vous voyez pas, vous allez voir tout à l'heure, là, mais j'ai comme, j'ai mon bureau, puis sur le côté, j'ai des carrés, là, des genres de tablettes. Fait que je vais mettre ça sur le dessus. Donc, juste des petits napperons rouges, là, en dentelle, là. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un genre de, ben, c'est une étoile, là, pour mettre au bout des sapins. Mais moi, je vais comme juste la mettre sur mon bureau, là. Fait que, on voit pas très bien, hein, à cause du reflet, là, mais c'est genre une étoile. Avec un genre de spring que, tu sais, habituellement, tu le mets au bout de ton sapin. Mais moi, je vais juste comme le mettre sur ma table, même si ça tient. En tout cas, j'espère. Ensuite, j'ai acheté des petites chandelles de même, parce qu'elles sont cute. Genre, des petites chandelles brillantes rouges. J'ai trouvé belles. Ensuite, j'ai acheté deux sets de lumière. Je m'excuse encore pour le bruit, là. Deux sets de lumière. C'est 40 mini lumières, là. Dans le fond, j'en ai acheté des blanches. Ça vient juste dans une boîte de même. Puis j'en ai acheté des rouges. Parce que je savais pas, j'étais comme au début, ah, deux rouges. Mais là, après ça, j'étais comme, ah, oh, ça va faire vraiment un rouge. Puis là, finalement, en tout cas, j'ai décidé de prendre des blanches puis des rouges. On va voir ce que ça va donner. Ensuite, pour terminer, j'ai acheté deux tasses. Des grosses tasses comme ça. Je la trouve vraiment belle. Comme, pas pour boire dedans, juste pour la mettre comme sur mon bureau, là, parce que ça fait beau. Puis j'ai elle avec des flocons. Trop belle. Que ça, il était pas tant cher. 1,25 chaque pour des grosses tasses de même. Hein. C'est un bon deal. Sinon, aussi, j'avais des décorations de l'année passée là, que j'avais acheté au Dolo aussi, je pense. Ouais. Ouais. J'avais acheté un genre de petit sapin même. Qui, c'est la même affaire que ma l'étoile là, que j'ai acheté. Là. Trop cute. Puis j'avais acheté des boucles de même. Comme deux or puis deux rouges. Mais je vous dis, ça met des brillants partout, cette affaire-là. L'enfer. Puis j'avais acheté genre juste une guirlande rouge et or, genre. Ou argent. Ouais, rouge et argent. Fait que c'est ça. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne, tout placer ça ensemble. Fait que on se revoit pour la suite. Donc voici ma petite armoire. Comme là, j'ai mis de la lumière pour qu'on voit bien. Là. Mais je vous filmerai pas de lumière. Mais pas mon armoire, mais comme. C'est attaché à mon bureau. Fait que j'ai mis toutes les banderoles autour avec une petite boucle ici, là. Je trouvais ça cute. Sinon, en haut ici, j'ai accroché des lumières, les blanches. Là, j'ai vraiment patenté ça, là, parce que, genre, j'ai comme mis une rallonge là, parce que ça se rend pas. Puis la prise est, genre, en bas là. En tout cas, vraiment compliqué, là, mais vous comprenez l'ensemble là, de tout. Donc là, j'ai mon bureau ici, comme ça. Je sais pas si on voit très bien, là, mais bon. Puis là, ici, je vais zoomer. J'ai mis un petit coin avec le sapin, une chandelle, une autre chandelle, puis la tasse, là, puis la petite chandelle rouge, comme ici, là. Puis ça, c'est mon petit pot épargne, mais là, on voit même pas... Attendez. Comme j'ai mis épargne, comme... gravé, mais pas gravé, mais... Vous
comprenez le principe. Donc, c'est ça, ça ici. Puis l'autre côté ici, c'est comme mes pinceaux avec mes iOS qui sont dans un petit pot. Puis mon miroir là, en bois, salut! Puis c'est ça, comme ça ici. Avec les petites nappes rouges, là. Il y en avait 4, fait que j'en ai mis 2 sur mon bureau. Puis pour finir, ici sur mon bureau, ben sur le dessus de mon bureau, j'ai mis les 2 autres napperons rouges avec la 2e tasse ici, avec le sapin, le petit sapin trop cute, les chandelles ici, puis ma petite étoile là, qui tient, finalement qui tient toute seule. Fait que je trouve ça super cute là. Ça donne ça, une petite lune ensemble. Voilà. Puis sinon, autour de mon miroir aussi, j'ai mis la guirlande avec la petite boucle dorée en haut. Puis un genre de bois que j'avais de cet été. Là. Fait que j'ai mis autour de mon miroir comme ça. Puis voilà, ça donne ça. Puis sinon, sur mon petit tableau d'affichage ici, là, avec le beau renard, si vous avez vu mon vlog à Burlington, là, je le garde en souvenir. Puis là, vous voyez mes beaux devoirs. J'ai mis la petite boucle ici, là, pour faire cute. Donc voilà, c'était tout pour ma vidéo. C'était pas une vidéo très très longue, mais j'espère que vous avez aimé ça. Puis aller au de l'eau, là, ça vaut vraiment la peine là, d'acheter. En tout cas, moi, j'aime tellement ça voir ma chambre décorée en Noël. Là. Tu te sens tellement plus dans le temps des fêtes, on dirait. Là. Puis t'arrives chez vous, là. On dirait que c'est full plus chaleureux. En tout cas, moi, j'aime vraiment ça. Puis c'est ça. Fait que sinon, ben, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye les filles! This Christmas.